cette crise, elle permet finalement d'accélérer des tendances qui étaient déjà existantes. La raison d'être, hein, qui d'ailleurs a été inscrite dans la loi Pacte. La raison d'être, c'est un sujet sur lequel de nombreuses entreprises aujourd'hui, à un niveau de gouvernance, se sont saisies, effectivement, avec derrière cette question du sens, qui est aujourd'hui vraiment une question essentielle, à la fois pour les entreprises, alors pas seulement en termes d'image employeur, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler à ce titre-là, c'est-à-dire de donner du sens pour attirer et retenir des talents. On sait aujourd'hui que c'est un levier extrêmement puissant, mais aussi parce que, et je pense que les bouleversements de notre société et de notre monde, je parle aussi de toute la notion d'éco-responsabilité qui vient catapulter à un moment donné aussi les entreprises. Et dans nos entreprises, on a aussi des citoyens qui vivent dans le monde, hein. À un moment donné, l'impact que les entreprises peuvent avoir, leur raison d'être et le sens qu'elles ont dans leur écosystème, tout ça sont des éléments extrêmement importants. Et dans la transformation des entreprises, cet élément est aujourd'hui, j'allais dire, remis sur le haut de la pile en termes de priorité.